Bonjour à tous, bienvenue dans Kingdoms and Castle, l'épisode 4. Alors, nous sommes dans le Tech Empire, et deux commentaires auxquels je vais répondre d'abord, Cédric Lafay, merci à toi. On a aux infos de métiers, priorité d'emploi, je n'ai pas fait gaffe, mais on peut glisser les métiers, et ça c'est super cool. Alors, si on revoit les priorités, bâtisseurs, fermiers, arboriculteurs, oui, les archers, ouvriers déserts, taverniers, fabricants de charbon, bibliothécaires, boulangers... L'ouvrier portuaire, d'accord. Après, les couleurs, je ne sais pas encore pourquoi. Le bûcheron, mineur, tailleur de pierre. Eh ben, on est tous bien, les meuniers. Ça, c'est vraiment, on a une pénurie de personnel. Mais là, on a 32. Autre chose, j'ai donc nommé Tech Empire le royaume. Ou c'est la ville. Et là, on a quoi, alors? Parce que normalement, c'est Tech Empire. J'ai vu ça aussi, la vidéo. C'était resté en bas. À votre avis. Paf. Voilà. Une ville en plein essor. Donc, nous sommes partis dans le jeu. On a eu notre premier raid très léger de Viking. Et autre commentaire, je crois que c'est Gillian de Chêne, tu m'as dit, mais va coloniser une autre île. Mais oui, ça va être prévu. Ça va être prévu et du coup, je pense à cette petite île-là. Faire une île forestière à fond. Et pour ça, il va falloir qu'on économise nos ressources. Tiens, par contre, je suis un peu inquiet. Pourquoi je n'ai plus les informations de... Ah voilà, Tech Empire, les infos sont là. Ok, allez, la marine. L'avant-poste est 100 bois, c'est faisable. 200 pierres, 250 d'or. Et il va falloir qu'on construise ça, des terres non revendiquées. Et on pourra faire un navire de transport avec un deuxième port, d'accord. Donc il va falloir économiser 250 PO et 200 pierres, on verra ça. Bonjour les conseillers, villageois sont affamés, bonjour sire. Côté agriculture, on est bien. On est bien. Et on avait fini, voilà, ça me revient, on avait fait un hôpital. Indispensable. Au début, si on manque du personnel, c'est vrai qu'on peut le désactiver puis l'ouvrir quand il y a des pestes. Ce que je ne vais pas faire, ici. On va continuer par faire du stockage. Donc, on a du monde. Hop, on va faire un nouveau moulin. Simplement, ici les zones sont prospères. Ça me plaît. Allez. De la nourriture. Très bien. Et pour des rochers, j'aurais aimé enlever ce rocher là. On a la mine de fer aussi qui a été faite, on va pouvoir évoluer là dessus. Il me faut 10 minerais de fer. Mais non, c'est 10 outils même. Ah oui. Il va falloir qu'on fasse le forgeron. Petite astuce, je reviens dessus d'ailleurs, quand on clique sur les outils, j'ai désactivé tout pour pas qu'ils utilisent des bûcherons, les carrières ou les mines. On va les garder. Donc on va se faire le forgeron. Sachant qu'on a du charbon ici et également la mine de fer, on devrait... On doit de, sûrement même, c'est pas, on devrait, on va détruire cette route là. Voilà. On va pas se gêner. On va couper le bois ici aussi, pourquoi pas. Et on va se faire une industrie. J'espère que c'est pas trop près. La forge, c'est 50 pierres. Et c'est grand comment, ils le disent pas. 50 pierres, ok, on avance le temps. Pendant ce temps, on va exploiter un peu de bois. Et c'est vrai que côté caillasse, bah, je suis à 3 carrières. Je vais en faire une quatrième maintenant que j'ai du monde. Le temps qu'on arrive... Ah bah on est à 50 pierres, voilà. Alors je vais essayer de faire la forge ici si je peux. Mais c'est pas dit, je crois que c'est très gros. Eh oui, non, ça prend du monde. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou alors je déplace ici. Industrie, hop. On va le mettre là. Lui, on va le détruire. Voilà. Est-ce que ça passe? Hop, on va mettre la forge. Et qu'est-ce qu'il nous raconte dessus? Est-ce que j'ai fait une erreur? Je pense que ça va être faisable. On va nettoyer d'ailleurs ici. Alors on va déboiser un petit peu autour. Ça, ça va ramener du stock aussi. Et je n'oublie pas de faire après... ma colonie, ça va être l'objectif. De toute façon, on va essayer de faire donc cet avant-poste. 200 pierres. Bon, je suis qu'à 188. Bonheur 75. On est bien. On va attendre déjà la forge.
Ah oui, mais là j'ai un grenier, j'ai un boulanger. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre d'utile? Taverne, hôpital. L'église, ça serait pas mal. Ouais. On va essayer de faire un autre manoir. Là, j'en ai deux, c'est bon. L'eau, on est couvert. Ok. Non, mais ça me va. Et si je veux faire mes manoirs ici, il va falloir que je fasse un ponton. Ouais, pour continuer ma muraille, 35 pierres quand même. Très bien. Allez, on va faire une petite palissade, on va progresser. On va essayer de fortifier toute la ville, enfin toute l'île principale avec du bois, et au fur et à mesure on remplacera avec de la pierre quand je pourrai. Ce qui me fait penser qu'ici, au centre, je n'ai pas de protection. Là j'ai une bordure de protection, ok. D'ailleurs au passage, je peux encore le monter. C'est vrai que je ferais bien un truc de géant là quand même. Ouais, on va développer ça. Et de toute façon, en défense, je ne peux pas encore faire les balistes, car il me faudra la chambre de guerre. 75 pierres. Ah ouais, bon. Voilà, tout le monde travaille, c'est le problème. Je pourrais faire encore un manoir ici. Alors au passage, j'espère que les travaux vous les entendez pas chez moi, c'est pas la rigolade. Allez, 35, on va accélérer un petit peu, on va essayer d'avoir de la pierre. Et en même temps, la forge arrive. Voilà. Allez les bobies. Côté nourriture, on est à 400 de stock, c'est très bien. On voit que le moulin, le troisième, fait son effet. Voilà. Est-ce que le forgeron va travailler? Oula, 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 oula. Dragon en vue! Bon, c'était pas prévu. Je n'ai pas encore toutes mes défenses. Mais ici, je vais pouvoir faire quelque chose ici. Une tour d'archer. Hop. Alors ça marche, là, justement, ils attaquent, lui il va cramer la palissade, je suis sûr. Ah pire. Il va attaquer ma tour d'archer. On va le laisser faire, et on va se commander, nous, un manoir, mais est-ce que ce serait intelligent de le faire tout de suite? On va attendre qu'il tombe, hein. On va pas cramer nos ressources. Allez, on accélère. Vas-y, crame ma palissade, c'est pas grave. J'ai dit que j'aurais remplacé en pierre après. Allez, Bobby. Une palissade de sauver. Ah, il va pas y arriver. Hein. Le système des puits et des défenses marche. Au revoir. Bon, ça c'est cool. Inactif 18, on a de la nourriture. Donc, on va faire notre nouveau manoir ici. Alors, je vous rappelle, évidemment, c'est bien de faire le manoir pour plus d'or. J'optimise la surface au maximum. Je ferai presque un puits ici, moi. Ok. Et on avait même dit que devant le port, on ferait... Ah, ici, je faisais un entrepôt. Une énorme réserve. Ça serait pas mal. On va faire une à côté. Et pour notre forgeron, on va faire une petite réserve ici. Voilà. Indispensable pour stocker un peu tout. D'ailleurs, en outils, on est arrivé à 2, en armement à 2. On va laisser gonfler tout ça, puisqu'on est en mode quand même Vintor. Une mode difficile. Est-ce que je le fais dans l'urgence, lui? Non, peut-être pas. Voilà, on va voir nos conseillers. Bonjour, la cité. Il faut améliorer les conditions de vie. 63, le bonheur. Je suis d'accord. On va faire peut-être une église en urgence. 85 pierres quand même. Et j'en étais où? Donc j'ai deux carrières à ce crochet là. Et ici, j'en aurai que une. Ah ouais, donc il faudra des rochers en priorité. On va dire alors au forgeron de ne faire que des outils.
si on vérifie, ouais, il nous faudra 10 outils. Accélérons et voyons ce qui se passe. Bonheur 52. Ah, je suis redescendu en argent, j'ai dû construire... Ah oui, d'accord. Ouais, il va me les falloir. On va laisser le stock aussi. On est monté à 4 outils. Ça va être long, hein. Ouh, que ça va être long. 37 minerais quand même, donc je pourrais presque faire un deuxième forgeron. On a qui là? Le forestier. Un marchand est arrivé. Je réfléchis. Si je fais un forgeron ici, je suis dans la protection d'eau. Non, j'ai pas besoin de faire ici. Destruction. Voilà. Et c'est vrai qu'en même temps, on prend de la place. Non, on va peut-être le détruire. On prend de la place par rapport au forestier. On va le laisser tranquille. Où pourrais-je faire mon autre forgeron? On va continuer le réseau routier par ici. Il n'y a pas le choix. Et ici, c'est pas si mal que ça aussi, hein. On pourrait faire un verger. Je suis à 80 pierres. Oh! Vous savez quoi? On va faire l'église. Voilà, 85, c'est parti. Et après, on va réfléchir pour le forgeron. C'est bien ça. L'église, il me faut autant que ça. Donc, touche R, je rappelle. Hop. Et elle est bien placée, là. Ouais. Ici, il y aurait une place... Le marché 25 pierres. Je suis à combien? À 9 outils. Je vais bientôt pouvoir faire ma quatrième carrière parce que je suis bloqué. Soit je la fais ici, soit là, mais il va falloir que j'enlève une roche. De toute façon, on avance. On avance et on va voir la construction de l'église si on peut en même temps. Ah mais je suis à 10 outils, ça y est. Bon alors, je la fais où? Alors, on prend le dérochement. Si je la fais ici, c'est vrai que là, il y a un chemin. On pourrait faire quelque chose là. Voilà, on a mis les bases des travaux. On va accélérer le temps. Un œil sur la nourriture. On augmente nos stocks, on est rendu à 540. Donc on amène les outils pour tout faire. La palissade va se monter. À côté, l'église, ça se développe aussi. L'an 37. Oh punaise! C'est quoi qui crame? C'est une carrière. Allez, allez. C'est bon. Alors, est-ce que tu avais raison dans le dernier épisode en me disant que c'était l'an 40? Je crois que c'est Tony Ree, je ne sais plus. Parce que le raid de 25, c'était un tout petit raid, en fait. On verra. L'église est finie, le bonheur monte. Regardez-moi ça. Donc ici, ça va. Là-bas, ça ne va pas. Là-bas, il y a un souci. Ok. On peut peut-être faire une autre bibliothèque, tiens. On va voir ça. On va faire une bibliothèque ici. On peut réfléchir aussi à une taverne, parce que l'autre, elle est où? Près de la place des fêtes. Elle est là-bas. C'est vrai que ça fait un peu loin. On va faire une taverne ici. Hop. Ça, c'est un bec. Est-ce qu'on va augmenter le bonheur? Je ne sais pas. On va voir. On avance un petit peu. Je fais mes stocks pendant ce temps-là. Je surveille un petit peu. Dès que la bibliothèque est faite, comment ça se passe? Par contre, on est descendu. On va passer les taxes à deux. Voilà. Je descends un peu mon bonheur, mais c'est pas grave. Faut reprendre. On avait dit qu'on voulait quand même les 250 pièces d'or pour bouger. Alors, la bibliothèque est faite, mais il reste en jaune. Et avec la taverne, allez, vous pouvez le faire, je le sais. Voilà,
Il reste encore en jaune. Ah. 71 de bonheur. Alors, qu'est-ce qui va pas? 31 nourriture sur 30, du charbon à gogo. Non, c'est bien. C'est bien. On va laisser les taxes à 2, je vois que ça descend pas pour l'instant, on va surveiller. Et on ralentit en vitesse. Bon. On va dérocher. Finir l'extraction. Voilà. Et on va faire la quatrième carrière, ça ira plus vite. Alors, donc la carrière est faite, c'est cool. On va accélérer le mouvement, on a 84 pierres. Nous sommes à 110 pièces d'or, le bonheur est bon, quasiment. Alors, on réaffiche. Ah ouais, et les taxes sont tellement fortes, donc si je diminue les taxes... Bonheur 73, ah bah voilà. Là, ça revient dans le vert. Et ici... Bon, on va bien voir. Niveau défense, ça va toujours pas, mon tech. Il va falloir réfléchir à ça. Je suggère... C'est vrai que ça va pas être esthétique, là. Il y a l'hôpital qui est là. Mais ça me laisse une place pour la tour de défense, quand même. C'est pas esthétique, mais ça marche. Allez. Oh, ils descendent par là, les docteurs. C'est bon. Normalement, ils sont pas bloqués. Mes conseillers, oui. Les paysans vivent dans la misère d'ouvriers, au moins nous assurer qu'ils sont nourris. Mais oui, ils sont nourris. Ils sont très bien nourris, ce qui va me poser un autre problème. Il va me falloir... ah, dérochement, 14 outils. Ça, c'est cool, on fait que les outils en premier. Et ça me coûte 30 pièces d'or quand même. On va pouvoir continuer le chemin. Donc on va ceinturer, moi je pense... Je sais que c'est vert, mais bon. Voilà. Là, on est bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Le grand entrepôt est fait. On revérifie un petit peu. Ouais, bah, la nourriture, c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore ça. Est-ce que je me fais un deuxième forgeron? C'est la question. Est-ce que j'ai la place pour? Ici, il me manque 50 bois. Ah oui, j'ai plus rien en stock. Quand même. On va déboiser. On va déboiser toute la zone. Et on devrait pouvoir faire nos deux autres manoirs, avoir assez de bois pour continuer le tour de l'île. On va bourriner. Parce que faire une extension tout de suite, c'est un peu chaud. Je voudrais me demander si c'est mieux pas protéger d'abord l'île principale, faire une caserne et emmener des troupes sur la colonie. On va voir, on va voir. Allez, on y va. Déjà ça, on accélère. On est quasiment à 200 habitants. Hein. Voilà, premier manoir de dispo. On va le mettre là. On est bientôt à 50. Deuxième manoir de dispo. On va le mettre là. Et moi, ça me convient complètement. Et le ponton, on va en poser un. Ici. Ce qui va nous laisser faire... hop. Mais oui. Ah, si je pouvais faire des pontons ici, ça serait bien. Le pont permet aux villageois de traverser les rivières garantie sans troll. Garantie sans troll. Ça se développe, c'est comme il faut. Côté défense, ici, ça me plaît pas. Côté défense, j'ai pas grand chose. Quoi? De la pierre insuffisante maintenant? Ah oui, mais en même temps, je manque de monde. Alors, on va mettre un puits, je pense, derrière l'hôpital. Ça a l'air plus sûr comme ça. Si je couvre ici... Ah oui, mais je couvre une petite zone. Ouais. Voilà. Des paysans sont morts de la peste. Ah, il est mort. Crop de bique. Et on arrive à 223 lits. Bien, bien.
bien. Très bien tout ça. Le ponton est fait, on va pouvoir faire la partie en bois. Et du coup, je pense qu'on va faire une partie en pierre ici. Il me manque du bois. Punaise, le bois... C'est quand même le gros souci à ce niveau-là. Deux forestiers, ça suffit pas. Voyez, Franco. On doit plus être très loin de l'année... Année 41. Bah non, on a peu d'invasion viking après. Je pense qu'elle fera mal. Hein. Ils mettent leur temps... J'essaie de faire mon enceinte au plus vite après tout. Pourquoi pas. Allez les gars, on a un entrepôt énorme. On y va. Bon. Alors pendant que les stocks montent. 4, ok. Et on va même défendre comme il faut ici. Quoique c'est pas utile, je me trompe. Je peux pas le détruire. Attends. Si je reclique dessus, détruire. Ah, il faut sortir de l'icône. D'accord. Ouais, à la limite, il vaudrait mieux que je monte là. C'est pas mal. Et le marchand s'en va. Oui, dommage. Et en même temps, j'aurais peut-être accès ici, tiens. Attends, je réfléchis un peu. Ralentissons un petit peu. Vous pensez vraiment que je peux faire ça? Allez, Ah, il me faudrait que je fasse un ponton, une porte. On a une idée là, les amis. On a une idée. On va détruire ça. On va détruire. On va se faire une petite route. Ok. On va détruire là aussi. On accélère le mouvement. Et on va essayer de faire un pont pour rejoindre l'île ici après tout. Comment ça marche? Ah, par contre, je n'ai plus d'argent. Là, il faut retaxer les gars. Ça coûte trop cher. J'ai l'impression que ça a été up les tarifs des bâtiments. Vu comment ça descend. Allez, il faut taxer au manoir. Donnez-moi vos pépettes, 72 de bonheur, ça descend pas plus. Et l'argent commence à couler à flot. C'est bien le ponton là. Allez les bobies, on se dépêche. Bien, on ralentit. Et du coup... la porte. Ah, tu peux la mettre... Non, t'es sérieux? Moi j'aurais bien voulu... On va faire comme ça. Pour l'instant. Placer au-dessus de la terre ferme pour construire. Placer au-dessus de la terre. Allez, mais ça coûte combien? Ah, attends. Est-ce que j'ai assez de pierres? Va augmenter. Inactif 41, 248 habitants dans Tech Empire. Bonheur ne bouge pas, on est à 101. Bon, je vais faire un petit œil. Un petit coup d'œil ici, ouais. Alors, on va faire un nouvel archer. Ah, c'est vrai qu'ici, non. On va détruire celui-là. On va faire de la pierre ici, on va augmenter. On va lui demander... Excusez-moi. Un chat dans la gorge. Alors, on va continuer l'entourage. Sauf que il va falloir... Il va falloir faire un puits pour protéger tout ça. Oh, dragon en vue. Là, ça rigole plus. Voilà. Ah, où est-ce qu'il est, ce pépère? Oui, bon, bah... D'ici, est-ce qu'il arrive chez nous? On est bien. À l'hôpital. Je ne peux plus. On va donc mettre une tour d'archer. On va commencer à défendre le centre-ville. Non, c'est bien. Voilà.
Ouais, c'est pas si mal que ça, Attack Empire. Épisode 4, arrivé à une cité déjà portuaire, comme ça. Moi, je trouve ça assez chouette. Alors, le pont coûte 2 de bois. Allez, c'est parti. On va faire le petit pont. Où est-ce qu'on va le faire atterrir? Nous ne pouvons construire en eau profonde. Ah! Mais il faudra une rivière pour ça, alors. D'accord. Là, je pourrais faire des ponts. Agrandir mes îles, en fait. Ok, ok, ok. Donc, c'est un pont pour les douves. Bon, on aura appris ça. Alors, dans ce cas, 100 bois, 200 pierres, 250 d'or. Allez, on va essayer d'agrandir. On va s'amuser. On peut le faire, je pense. Ok, tour d'archer t'a repéré. Est-ce qu'on va réussir à tuer un dragon, quand même? Évidemment, c'est le puits qui est juste à côté. Alors, ils arrosent. Oh, mais... Les sauveteurs, les petits pompiers sont dans la flotte. On est dans la mouise. Allez, les gars. Ah, ils ont pris dans l'eau. Le puits est à côté. Qu'est-ce qu'ils font ici, quoi? Et le dragon est parti. Impossible à tuer. Invasion viking. Allez, ça... Oh, punaise. Bon, là, ça ne rigole plus. Ok. Ils arrivent par où? Aïe, 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 aïe. On va essayer de mettre une tour d'archer tout de suite. On réfléchit pas. Ah, si je pouvais grimper mes structures. Tour d'archer. Vite. Vite. Après, on va améliorer là. On va faire une défense totale. Bon. Est-ce qu'on voit les vikings pour l'instant? Non. Le tour de la ville, ici, c'est une bonne ligne de défense. Oui, le dragon, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les vikings? Nourriture 370, ça baisse un peu. On pourrait faire ici. Un moulin, je pense que oui. Je laisse en vie de slant le temps que les vikings arrivent. J'ai le puits qui est ici et j'ai des inactifs. Très bien. Par contre, côté bois, ça va toujours pas. Allez, on va nettoyer ici. Sachant que j'ai pas ma caserne encore, je ne peux pas faire les lance-pieux. Ah, les voilà! Les voilà! Oh, punaise! Je le sens mal. Regardez. Allez, allez, allez! Oh, le raid de fou, quoi. Ils vont peut-être faire le tour et chercher une... Ouais. Ok, je vois. Ah, c'est bien tenté, c'est bien tenté. Viking Ship a détruit la palissade. Ah oui, parce qu'en plus, il me lance des catapultes, quoi. Non, mais allez-y, regardez-les, là. Aïe, aïe, aïe. Ils ont pris le point faible. Comment ça se fait que là... Hop. C'est le dragon qui m'a détruit ma défense, hein. D'accord. On est d'accord. Bon, nous voilà dans la mouise. Ah. Et ils viennent nous voler les bonhommes. Alors, on va faire quelque chose d'indispensable, la place de la fête. On va lancer un festival. On va réduire les taxes. Et on va serrer les dents. Oh, punaise. Oh, punaise. Allez, on passe le temps. Non, mais c'est un massacre, là. Ah, quand j'ai dit que c'était niveau difficile, là, je me rends compte. Ok, le bonheur reste à 95. On a de l'argent, je suis pas inquiet. Un marchand est arrivé, je suis content. Au moins, c'est pas le port. La palissade, le moulin. Oh là 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 là.
D'accord. Ah, on a quand même détruit. Regardez. Les tours de défense ont fait des dégâts quand même assez intéressants. On a détruit un autre bateau. Et eux, par contre, ça va. Allez, une cité florissante. Pourquoi? Je ne sais pas. On est rendu à 251 habitants, mais on a perdu une maison. Ralenti. Qu'est-ce qu'ils nous ont détruit comme maison? Tous les manoirs sont là. Ouais. Il va falloir m'expliquer ce qu'on a perdu. Dérochement ici. Et l'invasion viking est toujours en cours ou quoi? Ah, il y a encore ceux-là. Bon, finalement, ils ont kidnappé personne. Non, 21 personnes ont visité, mais aucun n'a pu trouver le foyer. Très bien. On va essayer de faire un manoir en urgence ici. Voilà. Et ça résout pas tous mes problèmes. Il me faut un marché. Et on va le faire ici. Très bien. Alors, nous sommes à 83 de bonheur. On va tout refaire. Oh, punaise. On a tenu le choc quand même. Pas mal. Bah écoutez, moi je trouve que c'est très bien. On a survécu au raid. Ce que je vous propose, c'est qu'on va arrêter là. Je vais nettoyer la palissade. Et promis, au prochain épisode, le temps de finir le tour de l'île, on va aller construire une extension maritime. On va construire l'avant-poste, puisque c'est énorme en dessous. Mais là, on est stable. Merci de m'avoir regardé. Tech Empire survivra. Il n'y a pas de lézard. Et je vous dis à bientôt, c'était Tech. Bye bye.